Allez, c'est parti. Najbar qui remet. Et il y a faute, c'est sifflé. Najbar qui shoot. Faute offensive. Udry qui remonte le terrain. Matteo Soragna qui ajuste mal là. Udry qui installe le jeu dans le camp adverse. Six secondes à l'horloge. 4 secondes. Datom s'en empare. Contré. Udry de nouveau dans le camp adverse. Prise à deux. Galanda lui redonne. Et Rasho Nesterović qui ne marque pas. Ils peuvent prendre l'avantage avec le temps qu'il reste. Ils auront deux possessions s'ils ne perdent pas de temps sur la première, Eric. Bargnani tente un fadeaway avec l'aide du cercle. Udry qui passe la ligne médiane, balle en main. Quel choc, quel choc! Évidemment que ça fait mal. Fin du premier carton, les Italiens mènent de 2 points. Bon, je dois reconnaître qu'on a vu du vrai basket dans ce premier carton. Oui, les deux équipes s'observent, Eric. Personne n'est parvenu à creuser l'écart dans ce premier carton. Attendez-vous à ce que ça change, à ce que chaque coach fasse un petit truc dans ce deuxième carton. Roca qui tente le shoot. Oui. Udry est revenu dans le camp adverse. Ouh, la petite série de dribbles, il veut passer son défenseur. Nesterović profite du pick and roll. Oui. Ça, c'était du pick and roll, Eric. Ils les ont forcés à changer et ont obtenu l'avantage de taille et les 2 points. Bargnani pour le shoot immédiat et Marco Bellinelli avec la passe décisive. Voilà un shoot facile, à mi-distance avec une bonne passe pour armer dans la foulée. Si vous arrivez à vous créer ce genre de shoot, c'est que votre attaque est parfaite. Il a encaissé la charge, c'est bien joué. Il va récupérer la possession sur le passage en force. Absolument, il a bien anticipé sur son placement. Il n'a pas bougé un sourcil au moment du contact. C'est bien défendu. Soragna qui shoot vite.
voit son shoot contré. Soragna franchit la ligne médiane. Prend gros contact, énorme contact sur cette action. Il va devoir sortir. Un superbe mouvement, Eric, avec ce panier qui rentre malgré la faute. Roca sur la ligne. Les Italiens au contrôle. Et voilà, nouvelle faute d'équipe pour la Slovénie. Tout va se shooter désormais. Quand vous êtes mené, Eric, il faut soigner votre jeu en défense et surtout au rebond. Parce que sinon, vous risquez d'être poussé à la faute. Bargnani au lancer franc. Réussite de 83% au lancer franc. Bargnani est arrivé en NBA en provenance d'Italie. Il a immédiatement été classé comme star potentiel. Il n'est pas encore incontrôlable, mais ça vient petit à petit. Il a toutes les qualités pour le devenir, mais il doit encore progresser. Udry avec le ballon. La passe. Mancinelli avec le rebond. Bellinelli. Dragic ramène le jeu dans le camp adverse. Pour 3 points. Roca au rebond. Ah non, il perd le ballon. Il reste 30 secondes avant la mi-temps. Les Italiens mènent de 8 points. Il restera 2 secondes dans ce carton s'il shoot au buzzer des 24 secondes. Bellinelli de nouveau et Matteo Soragna avec la passe décisive. Udry qui remonte le terrain. Tentative extérieure. Mancinelli est le premier sur ce ballon. Ah, si ça rentre, c'est qu'il est en veine. Cela dit, il a bien raison de tenter le coup. Le score à la mi-temps, les Italiens mènent de 10 points.